Bon matin, il est déjà rendu 10h20. On est parti faire un petit tour d'auto ce matin parce que ça me tentait vraiment. Puis c'est ça, là, j'étais vraiment motivée à sortir. T'sais, on est parti comme quasiment une heure. Puis ça, je l'ai pas super passé le temps parce que Jason, ce matin, s'est réveillé à 9h. What the fuck? Mais il a pas fait de sieste de l'après-midi hier, puis il s'est couché comme à 8h, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il était vraiment fatigué, il s'est réveillé à 9h. Fait que là, il faut que j'aille comme le coucher, puis ça s'assise à 11h. Fait qu'il va se réveiller vraiment tard. Mais en même temps, c'est correct, tu sais, parce que. Là, il touche à quoi, là, lui? Va donc voir, Zach, s'il te plaît. J'ai entendu tout cas tomber à terre. C'est ça, parce que. Tu sais, il faut qu'on a un souper ce soir, puis tout. Fait que c'est ça. Donc, il va peut-être se réveiller vers 1h l'après-midi, puis ça va être parfait pour notre soirée qu'on a en passé. Puis c'est ça, fait que là je m'en allais faire la thumbnail du vlog, puis le planifier. Puis c'est pas mal ça. Fait que voilà, donc je vais vous souhaiter une belle journée, puis on se reparle tantôt. Salut! Et moi. En tout cas, je voulais juste vous dire que je commence à me préparer, fait que je suis en train de sortir mon maquillage pour me maquiller. Il est rendu 1h. 1h10, Jackson est encore couché. Il avait l'air vraiment fatigué. Fait que c'est ça. Puis là, Jérémy est en route, il s'en vient. Il est parti, voilà, déjà près 45 minutes. On s'est parlé un bout au téléphone, là. Fait que voilà. Donc, je suis en train de. Je m'en vais me chixer. Puis après ça, je vais aller chercher Jackson, mais qui se réveille. Puis, pas ça, je veux. C'est vrai, la dernière fois, dans mon FAQ, j'ai utilisé ça, mais c'est plus celle-là. J'utilise à cette heure, c'est celle-là. Mais je l'avais comme oublié. Puis c'est ça. Fait que voilà, DJ s'en vient. On va partir d'ici vers 3h. J'ai fait ma salade de pâtes aussi, je vous l'ai pas dit, hein. Mais ouais, j'ai fait ma salade de pâtes. Fait que c'était bien. Ça avait l'air bien bon. En fait, j'ai goûté aussi pour être sûr que tout était correct. Puis tout est beau. Fait que voilà, j'ai hâte de manger ça. Là, j'ai envie de trouver mes affaires. Donc j'en ai du stock. Fait que c'est ça. Donc je me prépare. Puis on va s'en parler tantôt. Voilà ma face de brebis après mon maquillage. Genre, on dirait qu'il faudrait vraiment que je me fasse au moins les sourcils tous les jours. Je me rends compte à quel point mes sourcils sont clairsemés. Puis pas assez longs. Genre, il y a comme des petits poils à la fin, mais on les voit pas. Fait que, voilà. Ouais, on dirait que ça me manque de me maquiller autant. Faudrait tellement je prendre plus de temps. Ah, puis je vous avais pas montré, mais regardez ma couleur. Fait que c'est vraiment ma couleur de cheveux naturelle. Pour vrai, j'aurais pas pu mieux tomber. Puis le rose, ben là, je pourrais pas vous dire encore si ça a complètement disparu, mais c'est quand même vraiment moins pire. Fait que voilà. Donc là, je viens d'entendre Jackson crier. Fait que normalement, il est réveillé. Il est rendu 1h25. Fait que ça fait quoi? Je suis pas en temps que j'ai arrêté de parler à Jay. J'essaie de calculer un peu. Il va arriver quand? Je sais pas pourquoi je calcule ça, là, mais on s'est parlé, il était 12h30, on s'est parlé pendant une 35 minutes, non, il était 25, donc on s'est parlé jusqu'à 1h, ça fait 25 minutes de plus. Techniquement, il devrait être ici dans à peu près 45 minutes. Ouais, fait que c'est ça, fait que là, moi, je m'en vais, ben là, je vais aller chercher Jackson, puis je vais le faire manger, parce qu'il n'a pas encore mangé. Puis, est-ce que je m'en ai dit d'autre? Ah ben, je vais m'aplatir les cheveux, dans le fond, je vais me faire comme une couette comme juste sur le dessus de ma tête, puis je vais laisser le reste de mes cheveux lousses pour faire changement un peu, puis c'est pas mal ça. Après ça, je vais aller m'habiller, je vais faire prendre le bain au gars aussi, puis voilà, fait que ça risque de ressembler à ça. Puis comme j'ai dit, vers 3h, on va quitter pour aller chez ma belle-mère, puis c'est ça. Mais là, c'est parce que j'aimerais ça vous montrer ma salade de pâtes, mais c'est parce que je l'ai tout emballée comme dans de la, dans, j'allais dire de l'aluminium, c'est pas ce que je dis, dans du saran wrap. Fait que, ouais, comme. Justement, pas de la. Ça m'a déjà pris assez de temps. Parce que moi, j'ai du saran wrap qui colle, là, genre. Mais là, il collait pas, pis c'était de la grosse merde. Fait que j'ai finalement réussi. Fait que je veux pas la déballer jusqu'à temps qu'on l'utilise, là, tu sais. Ben, qu'on l'utilise, qu'on la mange. Fait que c'est ça. Mais voilà. Puis je voulais juste vous dire. Je vais faire une petite review, là. L'éponge de personnel, là, c'est genre un beauty blender. Pour vrai, là, genre, elle est super comme molle. Elle devient vraiment grosse quand on la mouille, puis elle va vraiment bien. Puis ça, mon recourbe cils, ça faisait genre 3 ans que je n'avais pas utilisé. Oh!
Puis j'haïssais ça, genre je pensais que j'aimais pas vraiment le mascara, je le mets tout le temps, mais tu sais j'étais comme ah oh, ben tu sais il est pas genre aussi comme merveilleux que les d'autres que j'ai déjà utilisés. Finalement c'est parce que je recourbais pas mes cils. Fait que c'est ça, mais là c'est parce que là ça a dépassé, fait que faut que j'aille comme les arranger là, mais checker ça. Ça me fait des cils de brebis, j'adore. Fait que voilà. Ouais, fait que ça, faut voir, j'allais prendre un Q-tip, enlever ce qui me reste sur ma paupière. Parce que la brosse est vraiment grosse, fait qu'elle passe comme au travers mes cils, puis c'est sûr. Fait que voilà. Donc là, je m'en vais faire ça. Ça me tente pas. Genre, je serais tellement allée en mou, tout, mais tu sais, c'est l'action de grâce, il va y avoir plein de monde, il va y avoir toute la famille à Jérémy, fait que je vais me forcer un peu. Puis voilà. Fait que je vais vous parler plus tard, peut-être avant de partir. Je vais vous montrer les gars. Va checker. À tantôt! Je viens de m'aplatir les cheveux, mais genre, on dirait que je suis pas certaine du résultat. Parce que, seigneur, j'ai tellement les cheveux épais. J'ai genre cette couette-là qui veut comme pas vraiment s'aplatir. J'essaie de passer un coup de dent. Mais c'est ça, en général, ça va bien. Puis là, j'ai fait, comme je vous disais, ma demi-couette. Mais ma demi-couette est vraiment longue! Genre, je capote comment elle est longue! Fait que c'est ça. Donc, voilà. Puis là, oui, je suis en brassière de sport parce qu'il faisait vraiment chaud. Alors, j'étais plus habituée. Fait que voilà. C'est le look final. Mais je vais aller mettre un chandail, donc je n'irai pas en brassière de sport. Mais seigneur, ça fait longtemps que je me suis pas pimpée. Je pense que la dernière fois que je me suis pimpée, c'est à ma fête. Ouais. Fait que voilà. Donc là, on va chercher Jackson pour rire parce que là, il commence à pleurer. Tantôt, il riait. Puis. Mais là, il est fâché. Fait que voilà. Fait qu'à tantôt! Salut, les gars sont dans la douche. Ben, Jay pis Zach. Jackson est tout propre, là. Il est sorti du bain aussi il y a quelques temps. Fait que je l'ai habillé pis tout, pis nous autres, on les attend. Fait que il est quasiment 2 heures. 3 heures, excusez. Pis, ils sont pas bientôt. D'habitude, moi, je suis très piquée, là. Vous me direz si vous êtes comme ça, là, pour vrai. Que genre, moi, si je sais dans ma tête, si moi, je me dis, je pars à 3 heures, pis qu'il est 3h05 pis que je suis pas encore partie, là, je. Ça vient me chercher. Jackson! Sors d'ici, toi! Allez! Le faire dans. Are you serious? Il vient littéralement de foutre mon fer plat dans le bol d'eau du chat. Alors, en tout cas, j'ai une gomme, hein, je sais que je suis vraiment pas glamour quand je mange une gomme. Mais c'est ça, ouais, fait que quand j'ai dit que je pars à 3h, puis 4h05, je suis pas encore partie, je suis genre. Ça me fait chier, j'ai haï ça. Ou tu sais, dire à quelqu'un, ah, oh, je vais te lever à 4h, puis que tu sais que tu seras pas là à 4h, là. Pas capable. Fait que c'est ça. Fait que, mais là, tu sais, c'était à genre 5 minutes d'ici, fait que ça me dérange pas pendant tout d'être un peu en retard. Même là, elle attend personne, tu sais. Je sais pas pour quelle heure elle attend les gens, puis tu sais, si on va les premiers arrivés, les derniers arrivés, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça, fait que faut juste pas oublier ma salade de pâtes. Vraiment pas, même. Puis voilà, fait que c'est pas mal ça, fait que je vais vous parler tantôt. Puis c'est pas mal ça, fait que bye! Salut, on est lundi. Je vous ai comme pas parlé de la journée. Puis pour être super franche, ça m'a fait du bien. Puis c'est ça, hier. En revenant de mon souper, j'avais tourné un clip que j'ai supprimé parce que je me trouvais un peu élevée, mais je voulais tout de même vous en refaire part aujourd'hui en étant plus calme, puis je vais avoir besoin de vous sincèrement. Donc, je vous explique. Depuis quelques jours, quelques semaines, je suis un peu à bout de l'univers YouTube. Parce que je me rends compte que je suis tellement pas dans le moule. Puis que maudit que les gens sont outrés par ce que je peux dire. Puis que ça fait tellement pas l'affaire de personne. Tu sais, je comprends, on peut jamais plaire à tout le monde dans la vie. Je sais que c'est impossible. Mais il y a quand même des limites. Aussitôt que je dis quelque chose d'un peu déplacé, je dévie de la maman parfaite, de la maman qui a pas d'opinion puis qui fait juste montrer genre la plus belle partie de sa vie. Puis moi, ben ma vie c'est pas ça. Moi, ma vie c'est que j'ai des problèmes puis je les partage parce que pour ceux qui savent pas, ben moi ici je suis toute seule. Moi, la seule personne que j'ai à mon entourage ici, ben c'est ma belle-mère. Puis oui, j'ai quelques amis. Puis même là, je dis quelques et c'est une. Qui est Sandrine. Puis Sandrine, ben, est super occupée. Puis on se voit vraiment plus aussi souvent qu'on se voyait.
Fait que ça devient dur pour moi d'y parler puis de me confier à elle. Donc, vous êtes littéralement mon journal intime. Puis, je me trouve chanceuse d'être capable d'être assez transparente pour tout vous partager ma vie, même si j'ai des points de vue tellement différents, si j'ai des opinions impopulaires qui font pas l'unanimité. Genre, je peux pas croire qu'il y a des gens qui font des concepts de vidéos avec ça, puis qui sont capables de pas se faire bâcher, genre, dans la vie. Ça me fait capoter, parce que moi, ma vie est une opinion impopulaire. Puis, c'est ça. Souvent, mon point de vue il est contraire à ce que les gens pensent. Puis, c'est ça. Mais il faut savoir que quand vous me faites des commentaires, genre, ben moi, je ferais ci, ben moi, je ferais ça, ben tu sais, fais ça, puis fais ci, ben fais ça, ben si t'es pas dans ma situation, puis que tu sais pas de quoi tu parles, ben laisse-moi vivre ma vie. Puis si ça me tente de pas répondre aux appels de mon école parce que je le sais qu'ils m'appellent pour rien me dire, ben j'y répondrai pas. Parce que faut savoir que l'école, là, elle m'appelle pas parce que Zachael est un cas à problème. C'est parce que Zachael a eu plus de 3 infractions au code de vie, puis qu'après le troisième, ben ils sont obligés d'appeler à toutes les fois qu'il se passe quelque chose. Fait que c'est pour ça que l'école m'appelle. Puis là, mais sur ce petit vlog-là, mais j'ai 22 thumbs down versus 3 thumbs up, OK? Fait que ça a vraiment pas fait l'unanimité, cette petite opinion-là. Puis hey, c'était pourtant, c'était rien d'extravagant. J'ai juste dit que je répondais plus aux appels de l'école, que j'attendais qu'ils me laissent un message. Puis quand c'était important, je rappelais aussitôt. Fait que c'est ma manière de marcher, puis je veux dire, c'est pareil comme si toi, mais à l'école, t'es à ta job, je veux dire, puis t'as une réunion, puis tu peux pas répondre au téléphone, ben Christy, tu vas répondre une demi-heure après, mais ta réunion, ça finit, là. Ben moi, c'est pareil, c'est juste que moi, je peux répondre n'importe quand, mais je le fais pas parce que je suis tannée de me faire harceler, tu sais. Fait que voilà. Donc, je sais que c'est ce sujet-là qui a pas fait l'unanimité. Parce que c'est le seul sujet controversant que j'ai abordé dans ce vlog-là, sinon c'est moi qui vis ma journée. Fait que je sais que dans ce vlog-là, ça a vraiment pas fait l'unanimité de personne, genre avec tout le monde, puis Seigneur Dieu que je trouve ça cave. Genre, je veux dire, j'ai pas dit genre, ouais, parce que moi dans la vie, tu sais, mettons, j'ai déjà tué des bébés chats, là. Non, 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 Christy, je réponds pas au téléphone quand l'école m'appelle, tu sais. Fait que c'est ça. Donc tout ça m'a fait remettre en cause l'univers YouTube, puis ce que j'avais envie d'en faire. Puis je vais être super franche avec vous que là, je viens d'avoir une conversation d'à peu près 45 minutes avec Jérémy, où je disais que j'avais le goût de lâcher. Puis que je trouve ça con parce que crime, ça va faire un an, puis ça fait juste un an que je suis sur YouTube, mais je suis pas capable. Je me dis, ça va être quoi, mais que j'aille 1000 abonnés, 2000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, ça va être quoi? Je vais avoir 200 thumbs down sur mes vidéos parce qu'il y a personne qui va aimer ce que je fais. Puis ça me tente pas, ça. Parce que moi, ce que je fais, c'est pas. Je veux mon but de m'exposer, c'est pas pour que tout le monde m'aime. Mais c'est que les gens qui m'apprécient me suivent, ceux qui m'apprécient pas me suivent pas. Fait que c'est ça. Donc si t'es une des personnes qui dislike toujours mes vidéos, là, ben va-t'en parce que j'ai pas envie de t'avoir avec moi. Puis ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne. Puis c'est ça. Donc je vais vous laisser un sondage ici. Puis je veux que vous me dites si vous voulez que je continue à faire des vlogs une fois par jour, ou si vous préférez peut-être que je fasse des vidéos hebdomadaires, donc une vidéo par semaine, plus stagée et tout. Fait que c'est ma question de la soirée. Fait que voilà. Désolée, ça se lâche, j'ai plus de batterie, fait que je coupe ça vraiment court. Mais là, je vais faire le montage du vlog. N'oubliez pas de me laisser votre opinion. S'il n'y a pas le sondage, parce que c'est ce que j'ai oublié, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Puis voilà. Puis dites-moi pourquoi vous me suivez, pourquoi vous aimez ce que je fais. Parce que je pense que j'ai besoin de me faire confirmer que ce que je fais, ça plaît à encore du monde, ok? C'est con parce que sinon, si ça plaît pas à personne, ben je vais juste arrêter. Fait que voilà. Donc j'espère que vous avez aimé le petit vlog de 2 jours. Moi, ça m'a fait du bien de vous parler ce soir, plus calme qu'hier. Puis nous, bon, on va se revoir demain dans un autre vlog. Bye!